encore? Pitié! Maintenant, mon jeu préféré, le Joker a dit. Et le Joker a dit, tu vas faire gueuler ce type jusqu'à ce que sa tête tombe. Si j'essaie de le faire sortir, il sera électrocuté. Je vais devoir suivre les règles. Waouh! Ça, c'est ce que je préfère entre tout. Ça me rappelle mon enfance. Le goût du popcorn, les cliquetis des manèges, la puanteur des clodos morts qu'on retrouvait sous la promenade. Ah, c'était la belle époque. Oh, ça sent la cervelle de chauve-souris. Quand tu étais gamin, tu as déjà essayé de rôter l'hymne national. J'ai jamais été doué pour ça. Mais ce gentleman prétend être beau. Histoire de nous amuser, voyons comment il s'en sort pendant que je l'électrocute. Il y a une chose que tu dois encore travailler, c'est ton sens de l'humour. Tu n'as pas souri une seule fois de la soirée, et tu connais le dicton, hein? Qui ne sourit jamais finit en macabé. Adieu, Batman! Comment il fait pour bouger comme ça? T'as pas la moindre chance! C'est Batman. Ça va saigner! Tu penses pouvoir nous échapper, hein? Qui êtes-vous? Je vais vous aider. Il y en a encore. Ils retiennent mes collègues. Ils les obligent à... Vous en faites pas. Je vais les aider avant que ça tourne mal. D'accord. Faites vite!
Bon, Batman ne viendra pas. Est-ce qu'on peut tuer ces gars? Oui, tu as raison. Allons-y. Il dit qu'on peut les tuer. Les gars, regardez, je suis à la télé. Allume-moi. Hé, hey, Vicky, viens ici, chérie. Viens donc t'amuser. Les otages sont sauvés. Je dois filer jusqu'à la suite pour arrêter le Joker. Jamais vu une chose pareille. Ces bombes sont réglées pour exploser le 31 décembre. Je devrais pouvoir les désamorcer avec mon séquenceur cryptographique. Oh non, tu as trouvé mes bombes. Le premier de l'an, hein? Le feu d'artifice va commencer plus tôt, alors, hein? Seigneur, c'est pas vrai! Dis-moi qu'on est à l'antenne! Ouais, toujours en direct! Ici Vicky Vale, en direct de l'hôtel royal de Gotham, où une énorme explosion vient juste d'avoir lieu. Il semblerait que Batman ait été soufflé par la déflagration. Il se trouve maintenant suspendu en dessous de notre hélicoptère. C'est quoi ça? Plusieurs hommes armés se sont rassemblés sur un bateau.
Nous avons vu Batman deux fois ce soir et avons pu le filmer. Serait-ce une nouvelle étape pour le mystérieux justicier? Va-t-il devenir une figure publique? Une chose est sûre, après ce que je l'ai vu faire ce soir, il est certain que ce justicier va se faire un nom. Vous l'avez vu chez nous ce soir, Batman en direct à la télévision. C'était Vicky Vale, à vous les studios. Fini de rigoler. Royal de Gotham à la télé. Les clients de l'hôtel sont-ils en sécurité? Non, malheureusement. Monsieur, vous allez bien? Votre voix... Je vais bien, Alfred. J'ai déjà affronté des psychopathes, mais là... Monsieur, je vous suggère fortement d'appeler le capitaine Gordon. Il pourrait être un allié de premier ordre. Je n'ai pas besoin d'alliés. Je vois que les hommes du Joker ont été éliminés ici. Bien joué. Mais n'oubliez pas, notre principal objectif est Batman. On doit rester vigilant. Il nous échappera pas. Et c'est le seul chemin qui mène à la suite. Espérons que vous ayez raison. Le temps nous le dira. Batman... Tu n'avais pas à tuer tous mes hommes, Red Hood. C'est déjà assez à faire.